Dans la vague des tueries et massacres qui ont suivi la reprise de la ville de Daloa aux rebelles par l'armée régulière, Touré Nanyuma a perdu son fils, jeune adolescent dont elle n'a jamais retrouvé le corps. 10 ans après le drame qui l'a frappé, Touré Nanyuma reste inconsolable. La douleur est là, profonde, mais bien visible. Orlila mgo fakala fukata madanga nuki yeko ni ko chele biye nala san ko ni nibo le fengoro bi faka ni e jura le feno bi faka u bakala jura chama ka maka fa o site ivarien o chama ire maliyon ne ane la jineka me ko jura se jura ivarien o maliyon o burkina be o la jineka o nuka jura fenfenye u ba faka ko jura se jura ko te jura wolo malaka bo jura la tukuni. Des étrangers ont en effet été endeuillés dans cette ville de Daloa, où des centaines de personnes seront assassinées. C'est Mama Touré qui avait découvert le corps de son oncle, El Hadj Bakary Touré, riche commerçant malien enlevé en octobre 2002 en compagnie de son frère par des militaires sous les ordres de Laurent Gbagbo. Il a fallu des jours et des jours pour convaincre Mama Touré de revenir en ces lieux. On est venu voir, il y avait plusieurs corps ici.
sais pas. On a regardé, il y a d'autres même qu'on ne peut même pas regarder, leur figure était partie, bon, on ne sait pas. Donc, je me suis dirigé vers là-bas, là. Je suis allé trouver lui, avec son petit frère, avec son tailleur, bon. 10 ans plus tard, la douleur est toujours présente. Et c'est toute la famille qui reste inconsolable. Les souvenirs des douloureuses épreuves reviennent. Avec eux, les larmes. Mon père a toujours vécu avec ce qu'il était, mais il a été pris par l'armée devant tout le membre de la famille. Depuis dans la cour, déjà, il a été blessé devant nous. Nous, nous posons question, pourquoi? Pourquoi cette haine-là? Cette haine, qu'est-ce qu'on te reproche? Bon, jusqu'à, il n'y a pas de réponse. La question reste telle qu'elle est. Vraiment, c'est difficile de revenir sur ces périodes, quoi. C'est très difficile. Le Front populaire ivoirien, le parti que nous avons fondé avec M. Laurent Gbagbo, se voulait un parti panafricaniste et un parti de gauche. Dès 1994, les signes étaient là. Les signes que le Front populaire ivoirien, parce qu'il a abandonné idéologiquement la ligne, parce qu'il était en rupture avec la philosophie politique que nous incarnons, parce qu'il avait épousé tout ce qui était bon pour arriver au pouvoir, il fallait le faire. Il était évident que ce parti utilise la violence que nous avons vu exprimer, que ce parti essaie d'utiliser les étrangers comme faire valoir pour exprimer sa violence. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diara Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modoun 1982 Diaye, Mohamed Camara, Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Au-delà de notre petit pays, nous travaillons pour toute l'Afrique. C'est pourquoi je vous appelle, vous tous ici, à être dignes de l'Afrique. Je vous appelle à être dignes de l'Afrique et à rester debout. C'est pourquoi j'appelle aussi tous les dirigeants de l'Afrique libre, démocrates et progressistes à se dresser et à prendre position pour la Côte d'Ivoire. C'est mon élève syndicaliste et politique. Et je dis à ceux qui veulent ça connaître mieux Laurent, je dis il y a plusieurs Laurent Gbagbo. Le Laurent Gbagbo étudiant syndicaliste, le Laurent Gbagbo citoyen ordinaire, le Laurent Gbagbo homme politique et le Laurent Gbagbo chef d'État. Ces 4 individus sont différents. Bon, moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'est un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que bon, je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire bon, d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Le panafricanisme, c'est l'affirmation que la nation africaine est possible. La République africaine intégrale est possible à partir du dépassement des blessures de la traite des Noirs et de la colonisation. Or, Laurent Gbagbo veut d'une Côte d'Ivoire qui appartienne strictement aux Ivoiriens. Donc il veut la fin du panafricanisme ivoirien. Car avant Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était une république de panafricanisme concret. C'était une république inclusive. À partir de Laurent Gbagbo, elle devient
qu'une république de panafricanisme abstrait, une république où le panafricanisme est un pur dogme, un flatus vocis, un mot jeté en l'air, alors que les pratiques sont profondément anti-panafricaines. Laurent Gbagbo se présente dès lors comme un imposteur pour ceux qui analysent réellement ses pratiques politiques. Si vous regardez un aspect, vous dites qu'il est panafricaniste, mais quand vous regardez de l'autre côté, c'est la xénophobie notoire. Et au-delà de la xénophobie, on est arrivé à ces assassinats qui ne pouvaient pas se justifier. Ces manchettes clairement xénophobes et anti-africaines de journaux proches du régime de Laurent Gbagbo étaient-elles cohérentes avec les prétentions idéologiques socialistes, voire panafricanistes, du pouvoir de M. Gbagbo? Vous vous rappelez ce que j'ai dit un jour, quand j'ai dit qu'un Burkinabé se sent plus libre à Paris qu'à Abidjan. Ça m'a valu d'ailleurs une dispute avec mon premier ministre de l'époque, Moussa Fagnasse, parce que ça a jeté un aimant. Autant les gens ici étaient contents, autant en Afrique, autant en Côte d'Ivoire, les dirigeants étaient mécontents de ce que j'ai dit. Et pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais il paraît qu'il y a des vérités qu'il ne faut pas dire. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Pays sahélien classé parmi les plus pauvres de la planète, dont plusieurs centaines de milliers de ressortissants vivent en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso a été pendant des décennies le principal réservoir de main-d'œuvre pour les plantations de café et de cacao du sud de la Côte d'Ivoire. Pendant les 10 années de règne de Laurent Gbagbo, les chiffres consolidés auprès de différentes organisations de victimes et des structures gouvernementales indiquent que ce sont près de 15 000 Burkinabés qui ont été assassinés en Côte d'Ivoire. De véritables campagnes anti-Burkinabés seront régulièrement organisées dans plusieurs quartiers et localités de leur pays d'accueil. Tantôt accusés de sympathie pour l'opposant Alassane Ouattara, souvent coupables de similitudes de faciès ou de patronymes avec les ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire, les Burkinabés sont parmi les premières victimes africaines des forces de sécurité, des milices et des mercenaires sous les ordres de Laurent Gbagbo. Sabine Nana est la présidente d'une association de femmes rapatriées de Côte d'Ivoire, majoritairement constituée de veuves. L'association est une des dizaines d'organisations de victimes de la crise en Côte d'Ivoire qui attendent d'hypothétiques indemnisations des autorités ivoiriennes. Aujourd'hui, c'est jour de tournée de routine pour Madame Nana, qui rend régulièrement visite aux adhérentes de son organisation. Des femmes précipitamment rapatriées de Côte d'Ivoire dans une situation d'extrême détresse, après avoir pour certaines été violées et vu leurs époux assassinés sous leurs yeux par des forces sous le contrôle de Laurent Gbagbo. La question du logement, la scolarisation des orphelins et la prise en charge sanitaire sont les problèmes auxquels doit trouver solution l'association de Madame Nana, très peu soutenue, bien qu'inondée de sollicitations. Yessite, perd la nationalité ivoirienne. L'ivoirien qui exerce une fonction élective ou gouvernementale. La question de la nationalité est au cœur de la crise politique ivoirienne et de la guerre civile qui va en découler. La législation sur la nationalité et sur les conditions d'éligibilité, adoptée dans un contexte d'hystérie identitaire,
est telle qu'appliquée ailleurs, Nicolas Sarkozy n'aurait jamais été président de la République en France et Barack Obama n'aurait jamais pu diriger la première puissance de la planète. Quand Laurent Gbagbo est au pouvoir en 2000, pour être éligible à la présidence de la République, il faut être né ivoirien, de père et de mère eux-mêmes nés ivoiriens. Autrement dit, étant donné que la Côte d'Ivoire n'existait juridiquement que depuis 1960, date de son accession à l'indépendance, au moment de l'élection présidentielle au cours de laquelle Laurent Gbagbo a été élu, les candidats devaient avoir le même âge que leurs parents, l'âge minimum pour être éligible étant de 40 ans. La Côte d'Ivoire est alors la risée du monde entier pour cette incongruité et ce scandale juridique. Ce n'est qu'après l'éclatement de la rébellion et la formation d'un gouvernement d'union nationale et sous la pression de la communauté internationale que des mesures particulières seront prises pour rendre éligibles tous les candidats arbitrairement exclus de la présidentielle de 2000, notamment les opposants Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. À l'Assemblée nationale, où l'opposition n'est que faiblement représentée et le RDR de l'opposant Ouattara absent, les débats sont souvent houleux et c'est généralement l'épouse du président Gbagbo elle-même qui mène la charge contre les forces du changement. Et je le redis encore, nous ne sommes pas ici pour plaisanter. Et nous sommes en train de travailler et il ne faut pas que des gens cherchent à nous épuiser. Ils ne nous épuiseront pas de toute façon. Mais nous voulons avancer. Je propose, Monsieur le Président, que vous preniez une décision sur ce premier article-là. Nous estimons que cet amendement pose des problèmes. On ne peut pas demander à quelqu'un qui vient marier, qui vient épouser un Ivoirien, de renoncer à sa nationalité avant de pouvoir l'épouser. L'amour n'a pas d'identité. La guerre, vous savez que on sait toujours quand et comment ça commence. On ne sait jamais quand et comment ça finit. L'ancien président du Togo sera parmi les premiers chefs d'État à entamer une médiation en Côte d'Ivoire pour le compte d'une communauté internationale qui se mobilisera fortement pour aider les Ivoiriens à sortir de la crise. Outre l'Union africaine et l'ONU, au total, en moins de 5 ans, ce sont une quinzaine de personnalités et d'institutions qui se sont essayées à ramener la paix en Côte d'Ivoire. J'avais trouvé un accord avec Gbagbo. Alors, j'étais très heureux, je me dis, ça y est, il n'y a plus de problème, je reçois. Alors j'ai reçu les différents chefs de parti, dont le parti de Gbagbo. Eh bien, c'est le parti de Gbagbo qui a soulevé des difficultés, presque une fin de non-recevoir. J'ai compris après que Gbagbo, après avoir reçu et m'avoir fait une promesse, avait demandé à son parti de refuser de faire des concessions. Alors oui, c'est un peu l'homme qui joue. Vous êtes des voyous, vous êtes des bandits, vous êtes des voyous, vous êtes des bandits. Kadhafi, Kadhafi, Kadhafi. Ceux qui ferment les boutiques et qui ont fui à Abidjan, ceux qui ferment les magasins et qui ont fui à Abidjan, ils n'ont qu'à partir. Mais quand ils vont revenir, ils vont trouver les Ivoiriens dans ces boutiques-là. Ils vont trouver les Ivoiriens dans ces magasins. C'est ça qui est la vérité. Ils vont trouver les Ivoiriens là-dedans. Le mouvement des jeunes patriotes, avec à sa tête Charles Blé Goudé, a pour rôle, au travers de discours populistes, xénophobes et violents, d'imposer l'ordre Gbagbo dans la rue et dans les villes et quartiers. Il y parviendra tant bien que mal, par l'intimidation et à grand renfort de propagande, de manipulation et d'endoctrinement. La mobilisation de la jeunesse, c'est vrai, il y avait un côté fasciste dans cette manière d'utiliser, disons, les milices patriotiques, de les motiver et finalement de leur donner une sorte de discours qui ne leur disait pas directement d'aller s'en prendre à une partie de la population, mais enfin qui le sous-entendait très très clairement. La Fédération Estudiantine de Côte d'Ivoire, en sigle FESI, s'active de son côté à caporaliser la jeunesse scolarisée. La mission que lui confie le régime est simple. Nettoyer les universités de tous les étudiants manifestant la moindre sympathie pour l'opposition. On est avec Gbagbo ou on est contre la Côte d'Ivoire. Et alors on n'a pas sa place dans les amphis. Au début des années 2000,
La machette a ainsi remplacé la plume chez nombre d'étudiants activistes. La terreur s'installe dans les universités. Il y a quelques années, et moyennant argent, un particulier étranger à l'école fait recours à la Fédération des étudiants pour l'aider à recouvrer une créance. Il est décidé qu'il faut enlever l'individu, le séquestrer au campus, jusqu'à ce qu'il rembourse. Quand nous avons enlevé le monsieur, sans tout même toutefois savoir comment il s'est nommé, nous étions juste chargés de l'emmener en cité universitaire. Manu Militari, nous l'avons bastonné et enfermé dans le coffre du véhicule. Pour des missions plus compliquées et pouvant conduire jusqu'à l'élimination physique, c'est ici, au marché Black d'Adjamé, véritable nid de délinquants d'Abidjan, que Komba et ses camarades de la Fédération estudiantine venaient recruter des renforts. Salut militaire, port d'armes blanches et à feu, rançonnement des entreprises, de certains hommes d'affaires et même de simples commerçants. La FESI est une mini-mafia notoire. Elle est surtout une redoutable milice entre les mains du régime de Laurent Gbagbo. Comme pour confirmer la collusion entre son régime et le syndicat étudiant, quelques semaines avant sa chute et en dépit de la pluie, Laurent Gbagbo participait à une manifestation de la FESI, où il n'a pas hésité à esquisser quelques pas de danse avec les étudiants. Il y a eu ce comportement mafieux de la part donc de la FESI ou de certains événements de la FESI, aussi bien en milieu universitaire qu'en dehors donc des universités, parfois des problèmes qu'on rencontrait en ville, soit par exemple des situations de racket auprès de certains opérateurs économiques, et il revenait le plus souvent que ceux qui avaient procédé à ces raquettes-là se réclamaient donc du syndicat. La FESI fonctionne comme un clan de sorciers. Quand vous décidez de quitter la FESI, automatiquement vous devenez un ennemi qu'il faut bien sûr éliminer. Le reggae-man et chanteur engagé parmi les plus respectés d'Afrique de l'Ouest peut désormais se produire dans son pays. Tikenja Fakoli peut même retourner dans son village, où il s'investit dans des actions sociales, notamment en construisant des écoles là où il le peut, en Afrique, comme celle dont il assiste à l'inauguration. Ça va ? Bonjour. Ça va ? Sous Laurent Gbagbo, pour avoir très tôt dénoncé les dérives du régime, la tête de la mégastar du reggae ivoirien a été mise à prix. L'artiste contraint à l'exil. Si j'étais resté en Côte d'Ivoire, sous Laurent Gbagbo, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'on parlerait que de moi, je ne serais pas vivant, je pense. Alors que Tikenja Fakoli choisissait l'exil pour préserver sa vie et sa dignité, certains grands noms de la musique ivoirienne pactisent avec le régime. L'argent du contribuable sous Laurent Gbagbo a aussi servi à produire les titres les plus haineux et fascistes et à entretenir les artistes de la haine. Même le plus célèbre chanteur de Côte d'Ivoire n'aurait pas résisté longtemps à cet appât. Je mettrais un peu le comportement de ces artistes, de ces journalistes, même certains citoyens, sur le compte de deux choses. De la manipulation, et ensuite sur le compte du manque de résistance à l'argent.
Durant les 10 années de règne de Laurent Gbagbo, on danse de plus en plus au rythme de titres véhiculant la haine et la xénophobie qui contribuent à isoler la Côte d'Ivoire de ses voisins. Une propagande comme on n'en a jamais vu en Afrique s'abat sur l'opinion ivoirienne. Les partisans de Laurent Gbagbo semblent hypnotisés, comme dans un état second. Lors de meetings géants que le chef orchestre, les plus fanatiques de ses supporters sont presque en transe. Progressivement, on lui voue un véritable culte. Il est quasiment idolâtré par ses partisans, entraîné dans le tourbillon d'une manipulation des masses bien pensée et d'une démagogie qui ne s'encombre d'aucun scrupule. La Côte d'Ivoire est devenue la terre promise, Israël, et Laurent Gbagbo, le sauveur de ce peuple élu et béni de Dieu. Les nombreuses références à la religion font mouche au sein d'une population profondément croyante. Dieu nous donne cette opportunité. Chers amis, Dieu est avec nous, Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on doit acclamer le Seigneur pour le président de la République. Le pouvoir, malheureusement, a absolument corrompu Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, devenu homme de pouvoir, par exemple, n'a pas pu prendre ses distances avec ses croyances religieuses. Vous voyez, par exemple, la confusion permanente qu'il y avait au palais présidentiel entre les pasteurs, n'est-ce pas, les prophètes et les ministres. Il fut même un temps où c'est un pasteur qui s'occupait de l'approvisionnement en armes, n'est-ce pas, le fameux pasteur Moïse Corée, qui s'occupait de l'approvisionnement en armes de la République. Notre pays ressemble à Israël. Dieu a privilégié la Côte d'Ivoire et aime la Côte d'Ivoire. On a entendu les soldats de M. Gbagbo dire que l'Éternel des armées combattait pour eux. Il y a eu une tentative d'un nouveau messianisme politique. C'est comme si Dieu cherchait une nation, un peuple, un homme, pour amener l'Afrique à sa délivrance. Ce fut un régime de confusion. Laurent Gbagbo a installé Babylone à Abidjan. Prenez courage, continuez de prier. Continuez de prier pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il s'agit de la messe de Requiem à la mémoire d'un seul homme, dans l'ambiance sereine de son église. Le père Cyprien Aouré, de la cathédrale de Douekwe, dans l'ouest ivoirien, a connu des moments où c'est lui qui devait aller vers les morts. Des moments où c'est lui-même qui devait aider à ramasser des dizaines de cadavres, victimes d'affrontements communautaires récurrents dans cette partie du pays. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. En tout cas, franchement, il faut reconnaître dans la vie quand même aussi que vraiment que moi j'ai fait ça, il faut reconnaître devant la loi et devant Dieu aussi. Voilà, franchement, nous, quand même sur nos côtés, on a été criminels envers eux. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est la paix, nous tous, nous voulons. À quoi sert de se mentir? Sincèrement, à Diopé, je ne peux pas vous mentir à Diopé. Mais écoute, il y a eu des massacres ici. J'ai dit, chacun faisait ce qu'il voulait au quartier. Quand les jeunes du Laz arrivent au quartier, nos jeunes les prennent, chacun s'en va, ils tuent. On fait comme ça, ça tue les gens. Si Lava Zoumana est un responsable des jeunes originaires du nord de la Côte d'Ivoire, vivant dans la localité de Douekwe, il nous fait visiter le quartier résidentiel 1, habité par les halogènes et qui a été l'objet d'attaques par l'ethnie autochtone, les Wé. Les victimes affirment que les assaillants étaient venus du quartier Carrefour, dont on entendra encore parler pendant cette crise ivoirienne. Voici la malédiction de l'Ouest ivoirien, comme le pétrole et le diamant le seraient pour d'autres États d'Afrique. Depuis son introduction dans cette partie du pays par le colonisateur, c'est grâce à une importante main-d'œuvre venue d'ailleurs que la culture du cacao s'est développée au point de classer la Côte d'Ivoire au rang de premier producteur mondial. Mais ces populations venues d'ailleurs, des Ivoiriens d'autres régions et des Africains originaires des pays limitrophes, ne sont plus les bienvenus.
Les autochtones les accusent, à tort, d'avoir volé des terres pourtant vendues par eux-mêmes et que les allogènes exploitent, souvent depuis plusieurs décennies. C'est donc à cette poudrière foncière que Laurent Gbagbo a mis le feu. Bah, vous savez ça. Au temps des Berdiers, il y avait par exemple des fossés à Fango, où il y avait des milliers de morts. Maintenant, il a dit au Éthénoué que si vous me soutenez, votre terre va vous revenir. Vous allez gagner l'argent sans travailler. Je pense qu'on n'aurait pas dû faire croire aux populations, surtout locales, qu'à un moment donné, on va expulser les populations qui sont venues d'ailleurs, soit du nord de la Côte d'Ivoire, ou même hors de la Côte d'Ivoire, ou même du centre de la Côte d'Ivoire, en faisant croire qu'on va leur remettre les terres aux populations locales. Je pense que ça n'a pas été bien utilisé. Le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo recrute l'essentiel de ses cadres au sein de l'ethnie Wé, même si le président ivoirien est plutôt issu d'une autre communauté. Le peuple Wé salue, monsieur le président. Le peuple Wé salue le chef Wé que vous êtes. Pour s'assurer le vote de la population autochtone de l'Ouest ivoirien, Laurent Gbagbo promet de leur rendre leurs terres s'ils votent pour lui. Et ce, en expropriant les populations du centre et du nord du pays, installées à Douekwe, des citoyens qui traditionnellement votent pour l'opposition. Fin mars 2011, un vent de panique gagne la ville de Douekwe. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, coalition formée de rebelles du Nord et de loyalistes ralliés, ont officiellement pris la localité de Toulepleu, à une quarantaine de kilomètres de là, et annoncent son avancée vers Douekwe. Pendant que les miliciens de l'ethnie Wé, fidèles au président Laurent Gbagbo, s'organisent pour résister à la prise de la ville, ce sont des jeunes des autres communautés vivant dans la localité qui les premiers lancent une attaque sur les positions des miliciens et des forces armées restées fidèles à Laurent Gbagbo. Les jeunes de notre communauté se sont organisés et ils ont attaqué. Il y a eu l'attaque la nuit et contre les miliciens, les miliciens aussi se sont organisés et il y a eu pendant une journée, l'attaque a commencé lundi tôt le matin et on a fait toute la journée lundi, la nuit du lundi et ce n'est que mardi que la ville est tombée et les miliciens ont été vraiment déroutés, ils sont partis, ils ont quitté la ville est tombée. Ce seraient donc des jeunes allogènes de Douekwe organisés en groupe d'autodéfense qui auraient pris le contrôle de la ville peu avant l'arrivée des forces républicaines de Côte d'Ivoire. L'armée créée par le président élu. Une mission de l'ONU établira que plus d'une centaine de partisans de Laurent Gbagbo ont été tués lors de la prise de la ville par des partisans du président Ouattara. Le massacre a été commis, cela a été fait par les différentes communautés Malinké, Senfo, Baoulé et les ressortissants de la CEDEAO, les Burkinabés et les Maliens qui avaient assez souffert. Sinon, ce n'est pas les forces républicaines de la Sane Ouattara. Quand ils venaient, tout a été déjà fait avant qu'ils arrivent en ville ici. C'est la première fois qu'Adama Berté retourne sur le lieu où il a failli perdre la vie. Malgré la présence de militaires armés chargés de notre protection, le jeune homme a l'air préoccupé. La vie d'Adama bascule un jour d'octobre 2010, quand il est désigné comme assesseur pour superviser le deuxième tour de la présidentielle dans le village de Nyoboa, pour le compte du Rassemblement des Républicains, la formation du challenger du président sortant. On est en région Bété, l'ethnie du président Gbagbo. Quand nous sommes sortis des bureaux, nous avons été encerclés par certains groupes de jeunes du village, ayant en main les machettes, les morceaux de bois, les briques.
quand ils nous ont encerclés, ils ont commencé à nous taper avec ce qu'ils avaient en main. Et ils nous ont dit de se rendre chez le chef du village, ils vont nous tuer. Nous nous sommes opposés, puisqu'ils étaient nombreux que nous. Ils ont commencé à nous taper, ils nous ont saisis par la force pour nous emmener chez le chef du village. Et c'est cette voie qu'ils ont empruntée avec nous. Chemin faisant, arrivant à un carrefour, la route se divisait en deux parties. Ils sont divisés en deux groupes. Il y a un groupe qui allait à gauche avec moi et le second groupe à droite avec mon ami. C'est là où mon ami et moi, nous ne sommes plus revus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Arrivé devant le groupe qui m'amenait à gauche, on s'est mis à taper avec ce qu'ils avaient en main. Et il a reçu le premier coup de machette sur ma joue gauche. Là. Et quand j'ai reçu ce coup, qui était très violent d'ailleurs, je suis tombé. Quand je suis tombé, il y a un qui a crié parmi eux, laissez-moi l'achever en même temps. Et ce dernier avait un morceau de brique en main. Et là, je me suis réveillé sur tout et me suis jeté sur ce dernier. L'autre qui était à côté, il m'a tapé encore avec un autre coup de machette. Et j'ai reçu ce coup ici. Aujourd'hui, j'ai été amputé de mon index droit. Bien que très grièvement blessé et ayant perdu beaucoup de sang, le jeune étudiant survivra miraculeusement en se cachant dans la brousse. Ses agresseurs, qu'il avait réussi à semer, étaient convaincus qu'avec les coups qui lui avaient été portés, il ne s'en sortirait pas vivant. Son ami et camarade d'université aura moins de chance. Il a été tué à coups de machette par les partisans du président, Laurent Gbagbo. Après les événements malheureux, je ne suis pas encore arrivé dans ce village, si ce n'est pas aujourd'hui. Et quand je suis arrivé, il y a un immense sentiment de peur. Je suis même angoissé. En tout cas, un sentiment de peur qui m'anime du fait que quand j'ai mis pied dans ce village, j'ai toujours ce mauvais souvenir. Et quand je pense que mon ami avec qui je suis venu est resté, et il a été égorgé, découpé en petits morceaux dans ce village. En tout cas, j'ai un grand sentiment, un immense sentiment de peur qui m'anime. Mon rêve pour ce pays, c'est qu'on fasse ça toujours. C'est que tous les 5 ans, quelqu'un puisse être élu, qu'un autre ou plusieurs autres puissent être battus, et le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Contrairement à l'engagement pris dans son discours d'investiture en octobre 2000, Laurent Gbagbo n'accepte manifestement pas de perdre des élections qu'il a organisées. Devant les caméras des chaînes de télévision du monde entier, des représentants du président sortant offrent le spectacle désolant d'un manque d'élégance et de culture démocratique en empêchant physiquement la commission électorale de proclamer les résultats. Bon, moi je suis Bamba Yakouba, le porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous sommes réunis depuis ce matin pour consolider les résultats. Vous laissez ça là. Vous laissez ça là. On n'a pas profité ça. Vous laissez ça. Malgré le fait qu'il a été déclaré perdant des élections présidentielles par la commission électorale indépendante, puis par l'ONU, à qui toute la classe politique ivoirienne avait donné le dernier mot pour certifier l'ensemble du processus électoral, Laurent Gbagbo se fait investir, fort du soutien de son armée et des milices qu'il entretient depuis 2002. La confiscation des résultats par Laurent Gbagbo plonge la Côte d'Ivoire dans le chaos. Ceux-là, ils n'ont pas que front. Gbagbo suivait les événements, les exterminations et tout ça. Malheureusement, et sa femme, je ne comprends pas comment ils aient pu penser que c'est par le massacre qu'ils pouvaient reprendre le pouvoir et continuer à gérer la Côte d'Ivoire. Yopougon, méga-commune de la capitale administrative. Ici vivent quelques 2 millions d'âmes dans le quartier considéré comme un fief de Laurent Gbagbo. Dans la dernière phase de la crise politique d'octobre 2010 à avril 2011, alors que la défaite du président sortant avait été déclarée, plusieurs centaines de miliciens pro-Gbagbo, renforcés par des escadrons de mercenaires libériens, ont installé des barrages un peu partout dans le quartier. Là, nous prenons la route encore en allant ici chez Mao. Je ne sais pas si vous connaissez Mao Glofi.
le chef des miliciens de Laurent Gbagbo. Il habite tout juste en haut là-bas. Quand il arrivait même, quand il quittait à l'ouest pour venir, ici était transformé en barrage aussi. Or, ici, on appelle ici communément Carrefour Marché. Mais ici, c'est transformé en barrage. Bon, là, nous rentrons à droite, parce que c'est tout devant là-bas qu'il habite. Voilà, ici, il y avait un barrage des miliciens aussi, proche de Laurent Gbagbo, l'ex-président. Fofana Abou veut nous présenter un autre jeune de son quartier. Musulman originaire du nord de la Côte d'Ivoire, Ibrahim a été obligé de tenir les barrages avec des miliciens pro-Bagbo. Une stratégie qui lui a ainsi permis de sauver sa propre vie. Le tri à ces barrages, révèle Ibrahim, se faisait sur la base des ethnies, certaines étant considérées favorables à l'opposition. Chaque jour, au barrage, on demande des pièces pour voir les ethnies qui sont des partisans de... le président Alassane Ouattara. Quand on voit, tu viens du nord, tu es Koyaga, tu es un homme mort. Tu es Senifo, tu es un homme mort. Tu es Odineka, tu es un homme mort. Tu es Yakuba, tu es un homme mort. Tu es Baouli, tu es un homme mort. C'est comme ça le barrage. C'est exactement à un de ces barrages, ici même, à l'endroit que fixe cet homme, que son frère cadet a été assommé, puis brûlé vif par des hordes de partisans de Laurent Gbagbo. Ils l'ont brûlé vif là, sur cette goudron-là. Oh, c'est très rare que nous passons par là, parce qu'à chaque fois qu'on passe par là, on voit l'image d'Ahmed. Bon, vraiment, c'est vraiment triste. Brûler un être humain vif comme ça, vraiment, c'est horrible. Mohamed Niakate avait commis le crime de faciès et de patronyme. Il avait un physique de type sahélien, assimilable à celui des populations du nord de la Côte d'Ivoire. Et bien même quand sa nationalité malienne a été clairement établie, les étrangers étaient accusés de sympathie avec l'opposition et devaient être traités comme des ennemis à éradiquer. La commune d'Abobo a connu un des épisodes les plus traumatisants de la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. Le 3 mars 2011, des femmes d'Abobo, dans la ville d'Abidjan, organisent une marche pacifique pour appeler le président Gbagbo à quitter le pouvoir qu'il venait quelques semaines plus tôt de perdre dans les urnes. Adjafanta Kourouma et ses camarades étaient dans la marche ce jour-là. Et elles ont accepté de retourner avec nous sur les lieux. Nous avons vu des blindés venir, mais nul n'a pensé ce jour que M. Gbagbo pouvait donner l'ordre à l'armée ivoirienne de tirer sur des femmes que nous sommes. Et ce jour-là, on a vu des blindés, mais on s'est dit que ce n'était pas pour nous, peut-être c'était pour nous garder. Et on a continué nos chants, on a continué notre joie. À peu près quelques minutes, on a compris des tirs. C'était vraiment... On ne pouvait pas imaginer. Le massacre des femmes d'Abobo a profondément choqué dans le monde. Après des enquêtes, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale décide de poursuivre Laurent Gbagbo pour avoir ordonné de tirer à l'arme lourde sur des civils, notamment sur des femmes manifestant pacifiquement. Un blindé de l'armée et des véhicules de la police sous les ordres de Laurent Gbagbo ont été vus quittant les lieux après qu'on ait tiré dans le tas. C'est depuis leur base de Bouaké qu'une coalition des forces rebelles du nord du pays et de militaires loyalistes retournés ou qui se sont ralliés lance en décembre 2010 une offensive pour bouter Laurent Gbagbo hors du pouvoir. Baptisée FRC pour Force Républicaine de Côte d'Ivoire,
la nouvelle alliance militaire avance rapidement en direction d'Abidjan, où se trouve le palais présidentiel. Les principales localités sur leur chemin tombent sans opposer de véritable résistance. En quelques semaines à peine, une offensive éclair. Les FRC se retrouvent rapidement à Abidjan, ville qu'ils prennent en tenaille. Après plusieurs jours de combat dans la capitale, les forces qui soutiennent le vainqueur des élections sont aux portes de la résidence présidentielle. Les troupes du président sortant, qui s'est retranché dans sa résidence bunkerisée avec des membres de sa famille et certains proches collaborateurs, poursuivent des tirs à l'arme lourde sur des quartiers considérés hostiles. Laurent Gbagbo et son épouse Simone sont finalement arrêtés le 11 avril 2011. Nous avons tenté par tout moyen d'envoyer des messages à M. Laurent Gbagbo et à son épouse. Ils n'ont pas voulu entendre raison et c'est regrettable qu'on traite un ancien chef d'État de cette façon. Mais il l'aura cherché. Triste épilogue en effet que la communauté internationale aura en vain tenté d'éviter à Laurent Gbagbo. I even made an offer to Mr. Ouattara, which was accepted, that Mr. Gbagbo be given guarantee of a peaceful retirement in the country, and that part of his team be taken into government as a coalition. Mr. Ouattara was generous enough to say that he was willing to take up to 20% of the cabinet from Mr. Gbagbo's political party, and a guarantee of retired life without any kind of molestation. There was also an offer of him to go and live in the United States and teach at the University of Boston. That I also brought up to him. But none of those would move him. He was very determined to continue. Vers la fin de son règne, Laurent Gbagbo semble de plus en plus seul. Mais il ne lâchera rien, alors que tout le monde le sait irrémédiablement perdu. Gabji, népotisme, corruption, arrogance érigée en vertu. Les analystes font généralement un bilan peu reluisant des 10 années de règne de Laurent Gbagbo. Pour ses partisans cependant, et malgré toutes les preuves accablantes de la barbarie de son régime, Laurent Gbagbo reste un génie politique. Les scandales des barons du cacao qui sont emparés par milliards de la cagnotte ivoirienne, a-t-il été capable de l'empêcher? Ce fut un spectacle de gabegie absolu. Les refondateurs étaient en réalité des jouisseurs. Ils ne travaillaient pas. Le palais de la présidence était un foutoir où on retrouvait des hommes en bras de chemise, en babouche, dans toutes les allées. Le protocole d'État n'était pas respecté. Le parc de l'État servait même à certains intellectuels, je vous raconte comme cela une anecdote, à venir à des soutenances de thèse doctorale en pleine université en hélicoptère. Vous imaginez cela? On a vu cela sous Laurent Gbagbo. Un professeur d'université atterrir dans le campus de l'université par hélicoptère pour assister à l'heure à une soutenance. Les moyens de l'État étaient utilisés d'une manière absolument hystérique, compulsionnelle. C'était un État fou. Se prononce pas, moi je pouvais en prononcer sur la culpabilité du président Gbagbo, mais évidemment sur sa responsabilité d'abord politique, c'est très clair qu'il porte une responsabilité lourde compte tenu des fonctions qu'il exerçait et à nouveau compte tenu effectivement du fait qu'il n'a pas réagi ou fait arrêter les violences. Si le président Gbagbo s'adressait aux Ivoiriens aujourd'hui pour dire c'est moi le responsable, c'est moi le coupable, je vous demande pardon. Je pense que cela pourrait régler beaucoup de problèmes. Et à ses partisans, parce que là où il est aujourd'hui, lui, peut-être, il ne peut pas s'exprimer comme ça. Mais ses partisans qui sont là, en disant, et nous leur disons ça souvent quand nous rencontrons les responsables du FPI, nous leur disons, soyons et soyez humbles.
demander pardon. Quand vous dites qu'on n'a rien fait, vous ne faites qu'augmenter la colère et la volonté de vengeance chez ceux qui ont été victimes. Et nous avons été tous témoins.